Bon maintenant en fait tu dois être assez à l'aise avec les racines carrées mais je pense que je vais encore clarifier un petit peu ça parce que eh bien c'est pas évident et on va en avoir besoin par la suite. Donc la racine carrée de quoi Eh bien la racine carrée c'est le nombre positif dont euh, le carré est égal à b. Si j'écris ça comme ça, si j'écris racine de b au carré eh bien ça va me donner b si b est euh, supérieur ou égal à 0. Si b est négatif, eh bien, la racine de b au carré, ça va me donner moins b. Donc, ça, c'est si b est négatif. Bon, ça, tu dois savoir ça. Et donc, si je prends, eh bien, par exemple, racine de 9, eh bien, racine de 9, c'est 3, sa racine, d'accord Donc, c'est la racine positive. Mais euh, je dois aussi prendre en compte que moins racine de 9, c'est aussi euh, moins 3 ici. Donc en fait, souvent, ce qu'on écrit, enfin, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que 9 en fait, a 2, donc ici racine carrée. Et donc on, a, on écrit plus ou moins racine de 9 est égal à plus ou moins 3. Donc ça, c'est juste euh, un petit rappel pour toi. Donc c'est important de, de se rappeler ça. Et ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le graphique de la fonction y est égal à racine de x. Et on va comparer ce graphique-là avec la fonction y est égale à X carré. Donc pour être un peu plus clair ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des valeurs de x et de y pour chacune de ces deux fonctions, et ensuite on va les mettre sur un graphique. Donc ici j'ai x, ici j'ai y, ici j'ai x, et ici j'ai y. Donc j'ai commencé par y égale à x carré, parce que tu connais bien, et on l'a déjà fait certainement dans les vidéos précédentes. Donc si je prends x est égal à 0, combien vaut y ici donc je vais prendre plusieurs valeurs de x ici, je vais les mettre déjà, déjà en couleur, comme ça ça m'évitera de reprendre cette couleur par la suite. Je vais aller jusqu'à 4 ici. Donc, euh, donc si x est égal à 0, y est égal à 0, puisque 0 au carré, ça fait 0. Si x est égal à 1, y est égal donc à 1 au carré, ça nous fait 1. Si x est égal à 2, y est égal à 2 au carré, c'est-à-dire 4. Si x est égal à 3, y est égal à 3 au carré, 9. Et si x est égal à 4, et eh bien y est égal à 4 au carré, c'est-à-dire 16 ici. Maintenant, si je regarde la fonction y est égale à racine de x. Et donc je vais prendre quelques valeurs de x ici, euh, qui ne sont pas les mêmes que là, mais tu vas comprendre pourquoi. Donc je vais prendre ici x est égal à 0. Et quand x est égal à 0, et eh bien y est égal à racine de 0, et eh bien ça, ça nous fait... 0. Maintenant, quand x est égal à 1, et eh bien y est égal à racine de 1, donc ça nous fait 1. Euh, donc là, je prends la racine positive, bien sûr. Et donc, si x cette fois est égal à 4, et eh bien cette fois-ci, y va être égal à racine de 4, c'est-à-dire ici à 2. Et si x est égal à 9, y va être égal à racine de 9, c'est-à-dire A3, à et si x est égal à 16, et eh bien y va être égal à racine de 16, c'est-à-dire 4, la racine positive. Et là, en fait, ce que tu dois voir, c'est qu'il y, y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a une relation entre ces deux fonctions-là. C'est euh, en fait comme si on avait euh, échangé les x et les y de chaque côté. Et en fait, ça fait assez sens, ça. Évidemment que ça fait sens, mais ça fait assez sens parce que ici, si je mets cette équation-là, ici, au carré, c'est-à-dire que je prends les carrés de chaque côté de l'équation, eh bien, je vais avoir y au carré est égal à racine de x, le tout au carré. Et ça, eh bien, ça va me faire donc y au carré est égal, ici, à x. Donc, en fait, j'ai exactement l'inverse ici. Ici, j'avais y est égal à x carré. Ici, j'ai x est égal à y carré et ça donc ça correspond bien au fait que eh j'ai l'inverse entre x et y ici donc maintenant et eh bien si je décide de dessiner ces deux fonctions là donc sur leur partie positive c'est à dire que je ne prends que x positif et y positif ici donc voilà mon axe x mon axe y et je vais annoter un petit peu ici donc ici je vais avoir 1 2 donc 1 2 3 4. Euh, Peut-être que j'aurais dû faire autour. Bon, ça ira. 1, 2, 3, 4. Ensuite, il va me falloir, et eh bien, donc 5, 6, 7, 8, 9. Et il va me falloir 16. Alors, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ici. Et ici, de la même manière, je vais avoir 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et oops, 16 ici en haut. Voilà, donc je vais placer mes points. Alors je vais placer les points pour... Eh bien, je vais commencer par y est égal à x au carré. Donc ça, tu connais bien. Donc on a dit que pour x est égal à 0, y est égal à 0, x est égal à 1, y est égal à 1, pour 2, ça va à... Pour 3, ça va à 9. Et pour 4, ça va ici, là-haut, à 16. Donc, eh bien, on retrouve la demi-parabole que tu connais bien, qui a, euh, qui a ici, euh, la, la courbure ici est égale, étant est 0. D'accord la, la pointe de la parabole est en 0. Donc Maintenant on va dessiner y est égal à racine de x. Donc pour ça, je vais prendre une autre couleur, je vais prendre bah, cette couleur-là par exemple. Donc ici eh bien c'est le même point. En x égale 0, y est égal à 0 et c'est la même chose pour x est égal à 1, y est égal à 1 et après ça change. Alors quand x est égal à 4, à y est égal à 2. Quand x est égal à 9, y est égal à 3 quand x est égal à 16 et eh bien y est égal à 4. Donc et eh bien j'obtiens cette courbe là ici. Voilà. Et là ce que je vois c'est qu'en fait ces courbes là elles se ressemblent beaucoup. De la même manière que ici la courbe en vert donc y est égal à x carré monte très très rapidement dans les y, et eh bien on voit que ici euh, la, la courbe ici, euh, la courbe euh, y est égale à racine de x, monte vraiment plus, plus doucement là et, et se rapproche en fait, et est plus proche de la courbe des x que la courbe des y. Donc ce qu'on voit en fait ici, c'est que eh bien, euh, ces deux courbes-là sont en fait symétriques par rapport à l'axe y est égal à x. Y est égal à x. Mais tu auras l'occasion de revoir ça. Maintenant ce que je voudrais qu'on fasse ensemble, c'est qu'on regarde eh bien, un site internet qui va nous permettre de faire une représentation graphique de tout ça. Alors je vais le reprendre. Donc le voilà. Alors j'espère qu'on va pouvoir voir quelque chose. Voilà, c'est sur cette adresse ici. Donc si tu veux la noter, n'hésite ben, pas à faire pause maintenant pour la noter tout de suite. Et on va, eh bien, on va dessiner euh, ces fonctions-là. Donc on va les dessiner. Donc on va dessiner, eh bien... Euh, y est égal à x au carré. Voilà. Donc c'est cette courbe-là que tu vois maintenant. Et on va dessiner aussi y est égal à racine de x. Voilà. Voilà, ce que tu vois, c'est en un peu plus joli que ce que je t'ai fait sur, sur le tableau, c'est que donc on a notre parabole y est égal à x carré et euh, cette, demi, euh, cette demi courbe ici euh, y est égal à la racine de x et tu vois bien le symétrique par rapport à la droite d'équation y est égal à x. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de jouer un petit peu avec ces courbes. Et donc, on va jouer d'abord avec y est égal à, à, à x carré. Et on va essayer de déplacer cette courbe-là vers la droite. Alors, pour déplacer cette courbe-là vers la droite, c'est-à-dire pour mettre ici ce sommet-là, par exemple, à x est égal à 4, eh bien, qu'est-ce que je dois faire Je dois tout simplement dire que y est égal à 0 quand x est égal à 4. Donc, je dois en fait enlever 4. De x ici pour que y soit égal à 0. Tu vas comprendre ça tout de suite. Donc en fait, ça va être cette équation-là, ça va être x moins 4 le tout au carré. On va regarder ce que ça donne, et voilà, voilà le résultat. Donc ma courbe verte ici, et eh bien c'est la même que donc, ma courbe rouge, mais euh, que j'ai donc euh, translatée vers la droite de 4. Et donc tu vois bien pourquoi, parce que ici, en x est égal à 4, et eh bien j'ai 4 moins 4 au carré, et ça me fait donc y est égal à 0. Donc maintenant, si je veux faire la même chose, mais mettre euh, ma courbe rouge ici, euh, plus vers la gauche, au point euh, x est égal à moins 2, où y va être égal à 0. Donc ça, eh bien, je vais devoir faire exactement l'inverse, c'est-à-dire que je vais avoir x plus 2, le tout au carré. Et donc je vais voir ça tout de suite. Et voilà mon résultat. Alors pourquoi est-ce que c'est x plus 2 eh bien, je sais que y est égal à 0 en moins 2, donc moins 2 plus 2 au carré, ça va bien me faire 0. Donc voilà, c'est un petit peu contre-intuitif à la base, parce que pour aller vers la droite, eh bien, on doit soustraire un nombre, et pour aller vers la gauche, eh bien, on doit additionner un nombre. Tu vois bien pourquoi, euh, donc maintenant on fait ça. Et donc ça, c'est pour eh bien, translater vers la gauche ou vers la droite. Maintenant si je veux décaler ces courbes là en haut ou en bas, et eh bien qu'est-ce que je dois faire eh bien, en fait ça c'est très très simple, il me suffit juste d'additionner un nombre pour décaler vers le haut. Donc par exemple, si je veux la mettre à deux unités au-dessus de ce qu'elle est à l'heure actuelle, eh bien je vais avoir ma courbe verte voilà ici à deux unités au-dessus. Et si je veux eh bien euh, donc je vais descendre un petit peu ça. Si je veux ici descendre cette courbe-là, par exemple, d'une unité, eh bien je vais juste enlever un ici. Donc regarde ce que ça donne. Et voilà. Donc je l'ai shifté légèrement euh, à droite, euh, en bas ici. Maintenant on peut regarder quelque chose d'autre qui est aussi intéressant. C'est euh, de regarder comment et eh bien on peut euh, influencer la pente de cette courbe-là. Donc je vais garder mon y est égal à x carré. Et cette fois-ci, eh bien, je vais regarder, euh, par exemple, 2 fois x carré. Qu'est-ce que ça donne? 2 fois x carré. Et je vais regarder pour l'autre ce que ça donne 0,5 fois x au carré. Donc maintenant, on. Trace les courbes. Et ce que je vois ici, donc en rouge, j'ai mon y est égal à x, et en vert, ici, j'ai 2 fois x carré. Donc ce que je vois, c'est qu'en fait, la, la courbe verte eh bien, monte beaucoup plus vite dans les y les plus hauts que ma courbe rouge ici. Par contre, eh bien, euh, ma courbe bleue ici, qui est 1 demi fois x eh je vois que la, la, la montée vers les y de plus en plus grands est beaucoup plus lente ici. Donc, tu vois comment, eh bien, influencer sur la pente de cette parabole -là. Donc, maintenant, eh bien, si on pense à la racine carrée. Donc, si je regarde, maintenant, au lieu de regarder x carré, si je regarde racine de x, et donc ici, je vais regarder, ben, je vais rester sur 2 fois racine de x, et ici, eh bien, ce sera 1 demi fois racine de x. Et donc maintenant je vais dessiner tout ça. Et bien ici tu vois exactement le même pattern, c'est-à-dire que donc en rouge j'ai ma courbe y est égale à racine de x. Ma courbe bleue ici qui est 0,5 fois racine de x, c'est en fait la symétrique de 2 fois x carré. Et ce que je vois donc c'est qu'elle euh, augmente dans les y bien plus lentement que eh bien, ma courbe y est égale à racine de x, et c'est l'inverse pour ma courbe verte qui aussi va vers les y de plus en plus grands beaucoup plus rapidement et qui est ici la symétrique par rapport à l'axe y égale x de, eh bien, euh, de 1 demi de x euh, au carré. Donc maintenant, si je repasse à ce que j'ai fait tout à l'heure, si j'essaye en fait de, eh bien de translater ces courbes-là à gauche ou à droite, eh bien en fait il se passe exactement la même chose. Si j'ai envie de translater vers la euh, droite, je vais enlever euh, un nombre. Et si j'ai envie de translater vers la gauche, je vais ajouter un nombre. Donc regarde ce que ça donne. Donc ici, j'ai translaté vers la gauche ma courbe bleue. Donc j'ai ajouté 1 et j'ai translaté vers la droite ma courbe verte. Et ici, j'ai donc ajouté ici, euh, pardon, euh, j'ai retiré ici 4. Euh, donc ça me fait ça. Donc c'est exactement la même chose que pour, euh, pour, pour ma parabole ici. Ça marche de la même manière. Et de la même manière, eh bien, je peux aussi euh, translater vers le haut ou vers le bas euh, ces deux courbes-là. Donc en ajoutant ou en retirant euh, des nombres. Par rapport à là. Donc j'ajoute pour déplacer vers le haut et je retire pour déplacer vers le bas. Donc voilà, je te conseille en fait d'aller de, de, sur ce site et d'essayer plusieurs petites fonctions par toi-même. C'est très utile pour se rendre compte eh bien de, de, de quelle manière tout ça ça marche et d'un peu de translater euh, certaines fonctions. Voilà, donc euh, ce petit aparté te, te sera assez utile parce que tu pourras repenser à ça quand on fera un peu plus tard les fonctions inverses.